Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qualifiées correctes. À mes côtés, bien sûr, Pierre Ménès. On va voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Un match comment les aime, Pierre? Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. Léo Messi, qui sait qu'il sera attendu dans ce match. 3 buts inscrits sur ses 3 derniers matchs, des stats plus qu'honorables pour lui. Voici la composition de l'équipe à domicile. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Ah, et avec un public qui a répondu présent. Anthony Lozano. Ça, c'est très bien défendu. Coutinho. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Jordi Alba. Coutinho. De Jong. Oh, la défense complètement à la rue en ce moment. Oui, ce serait bien de se réveiller là. Excellente intervention. Negredo. Et touche pour le Barça. Lionel Messi. Frenkie de Jong. Il donne par-dessus. Les Blaugrana qui ont le ballon. Un petit peu de soutien autour de lui. Frenkie de Jong. Coutinho. Il avait vu venir. Allez, le centre maintenant. Jolie séquence de passe. Ah, il a levé son ballon. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Oh, et c'est bien taclé. Young. Jordi Alba. On s'attend à un match plutôt tranquille pour le FC Barcelone. La petite passe en cloche. Il cherche un partenaire en profondeur. Et il marque. Oh, il marque. Oh, peut-être l'exploit. Oh, l'équipe favorite qui va s'en mordre les doigts. Les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par-dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde.
Et c'est toujours rageant pour un gardien de se faire prendre au premier poteau. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Sergio Busquets. Ousmane Dembélé. Il progresse. Léo Messi, un ballon récupéré par l'adversaire. De Jong. Ousmane Dembélé. Et le gardien qui est sur ce ballon. Avec De Jong. Sergio Busquets. Là, ça joue pas mal, ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Jordi Alba, il cherche le premier poteau. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Donc il sort, ce sera une touche. En position idéale pour centrer. Busquets. Sergio Roberto. Ousmane Dembélé. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Quelle maladresse. Et le gardien adverse soulagé. Mais il n'y est pas pour grand-chose. Hein. Non, il n'a eu qu'à profiter du manque de concentration de son vis-à-vis. José Marie. Negredo. Ça, c'est donné à l'adversaire. Lionel Messi, il cherche Griezmann avec ce ballon. Allez, il peut égaliser là. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient à hauteur de son adversaire. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Del Barcelona, con el 7, Griezmann. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Coutinho. Et c'est dégagé et ça sort en corner. Ouais, je trouve qu'il n'est pas vraiment à son niveau, Coutinho, aujourd'hui. Et les stats le confirment. Ah, si j'étais son entraîneur, je l'encouragerais à plus prendre sa chance parce que c'est à lui de tenter, hein, compte tenu du poste qu'il occupe. Le corner qui est joué court. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Ah, l'adversaire qui resserre son pressing, hein, c'est logique. Un ballon perdu par le Barça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, il faut centrer. Il essaye de trouver la faille. Attention, il est tout seul. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe! Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. Un ballon imparable pour le gardien. Ouais, petit filet, très dur à aller chercher. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Le Barça qui court après le score alors que débute cette seconde période. Avec De Jong. Ouais, ça joue pas mal. Ils sont en train de revenir dans ce match. Ils peuvent espérer égaliser. Griezmann. Coutinho. Bien défendu. Le centre qui est contré. On voit le but et qui leur permet de mener au score. Une frappe bien placée, ajustée depuis la surface. Ça passera du poteau gauche. Les gardiens ne peuvent rien. Il joue en deux temps le corner. Au centre de Coutinho. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Jordi Alba. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. José Mari. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Léo Messi. Ousmane Dembélé. Messi. Sergio Busquets. Ousmane Dembélé. Sergi Roberto. Sergio Busquets, il va pouvoir centrer. Bonne intervention là sur les côtés. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Ça a été dévié. Touche. Il va y avoir un remplacement. Encore un bon ballon. Une bonne passe. Frankie de Jong. Ousmane Dembélé. Griezmann. Allez, il faut centrer vite. La bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Allez, ça joue vers l'avant. Busquets. Antoine Griezmann. Il va peut-être pouvoir égaliser.
Oh oui! Il est rentré quoi, là, il y a quelques minutes? Et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il avait fait aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Et avec ce but, tout est à refaire. Negredo. Anthony Lozano. Oh, cadeau. Augusto Fernandez. Attention, ça peut être dangereux. Fernandez. Allez, il est passé par-dessus. Il la joue un petit peu comme au hand. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Ouais, signalé hors-jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand-chose. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors-jeu de peu, mais hors-jeu. Voilà, le voilà qui va sortir, certainement satisfait de ce qu'il a réalisé dans ce match. On va voir si ses coéquipiers parviennent à s'imposer sans lui. Ouais, on a tout compris, là, le défenseur, bien vu. Sergio Busquets. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Attention, si ça rentre. Ah oui, l'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Ah, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Un changement dans l'équipe du Barça. Sergio Busquets va laisser sa place à Miralem Pjanic. Avec lui, coup franc, ça veut dire danger. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Ah, ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Griezmann. Il a gagné son duel dans la surface. Allez, le Barça qui va peut-être faire trembler son adversaire sur cette attaque. Pjanic. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Griezmann. De Jong. Ah, il redonne à Griezmann. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Negredo. Il faut qu'il centre maintenant. Remise en touche dans le camp adverse.
Pjanic qui vient lui disputer ce ballon. Ousmane Dembélé. Un très bon ballon là pour le Barça. Peut-être celui de la victoire. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Ah, le but. Oh, il fallait pas craquer. Ils ont été héroïques. Et ils craquent sur la fin. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite. Hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse, là. Il reste peu de temps pour recoller au score. Augusto Fernandez. Ah, ça devrait être la dernière attaque. Il doit absolument égaliser, là. Attention à la frappe. Oh, il attrape le montant. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Lionel Messi. Ansu Fati. Il faut qu'il centre là. Sergio Roberto. Attention, parce que là, ça peut sentir la fin. Hein. Et le Barça qui marque. Ok, dans l'absolu, il n'y a jamais de but tout fait, mais à cette distance, si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement, ça passe. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et voilà, la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle. Bon, allez Hervé, tu me connais, je vais pas être méchant. Hein. Enfin, tout n'est pas acheté en ce match. Hein. En vrai, ils auraient quand même pu faire beaucoup mieux. Hein. Pas finalement si je suis méchant. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann. Belle prestation de sa part, vraiment, avec deux buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui, il a bien raison.